Bonjour chers téléspectateurs d'Algérie Première. Aujourd'hui, nous voulons réveiller un petit peu cette conscience mondiale. Aujourd'hui, il s'est passé un massacre. 20 personnes ont été tuées, parmi elles des Européens, des Arabes, des Turcs, des Belges. Pourquoi ? Pour avoir essayé de réveiller un petit peu cette conscience, de s'être approché à 140 km des côtes de Gaza pour pouvoir apporter des tentes, des médicaments. On nous a rapporté que l'armée israélienne avait riposté parce que des hommes se sont battus avec des couteaux. Est-ce que c'est la bataille de David et Goliath ? On se demande aujourd'hui, après toute l'expérience et tout ce qui s'est passé un petit peu comme massacre dans le monde, est-ce que l'Europe va réagir ? En tous les cas, nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes ici prêts à prendre toutes les interventions ou toutes les réclamations qui vont avoir lieu, et puis nous attendons très très prochainement donc l'intervention de M. Barroso. Peut-on laisser Israël dans les eaux méditerranéennes avoir une impunité aussi large ? Merci. Nous attendons aussi les réactions des différents ambassadeurs que nous allons rencontrer aujourd'hui, je l'espère. En tous les cas, Algérie Première présente toutes ses condoléances aux familles qui ont perdu un martyr.